rugby, c'est quand même la figure de Toulon. C'est quand même le... Alors on passe à la télévision, on passe partout. Et donc moi je pense que quand même qu'il faut les faire, les écrans. C'est très important. Tous les élus de l'opposition de la mairie, ils sont tous au stade et ils ont leur emplacement dans la tribune présidentielle. Alors je ne vois pas pourquoi ils ont voté contre les écrans. C'est vraiment absurde parce qu'ils y vont tous et tous ce sont des fervents du RCT. Maintenant qu'il n'y ait pas beaucoup de joueurs de Toulon, quoi que nous en avons, hein, on a les vedettes qui viennent de l'extérieur, mais ça fait plaisir à tout le monde. Ce n'est plus du rugby maintenant, c'est un spectacle. Voilà. Et si on avait des écrans géants, ça serait encore mieux pour voir les ralentis. Dans tous les stades de France, ils y sont. Moi, je suis allée à Saint-Étienne, les gens, ils se gèlent les amandes, mais il y a les écrans géants. Alors nous, il nous faut les écrans géants. Voilà. Et parce que c'est quand même, le RCT, c'est la vitrine de Toulon. Hein. Et ça rapporte à la ville, les commerçants, tout le monde est très content. Quand il y a les matchs, il y a du monde. Les bars, les restaurants, tout le monde travaille. Donc c'est très important qu'on pense quand même à donner de l'argent pour le RCT. Avant, bon, c'était le rugby de quartier. Maintenant, c'est un rugby au niveau, regarde, on fait la H-Cup. Moi, ça fait depuis l'âge de 15 ans que je vais au rugby. J'ai jamais chanté la Marseillaise et j'ai jamais vu 15 000 personnes au stade Mayol. C'est la première fois que je le vois. Et voilà. Alors, il faut quand même évoluer. On est totalement à fond pour les écrans géants. Et je représente toute la ville de Toulon, là, en disant ça. Le RCT, c'est un poumon de la ville. Moi, je dis bravo à M. Boudjelal de tout ce qu'il a fait pour nous, pour le peuple, pour Toulon, pour le rugby. Moi, je trouve que c'est fabuleux. Maintenant que Falco le suive pour améliorer le stade Mayol, je trouve ça magnifique. Et ça fera du bien à la ville de Toulon. Voilà, maintenant, moi, comme je suis un fervent supporter depuis des années, qu'on reprenne le bouclier et qu'on gagne la H-Cup.